Bonjour, mon nom est Marcel Auger et je vous invite à parcourir avec moi cette courte présentation sur la méthode café. Le but de la capsule vidéo est de vous partager des informations de base et de susciter, je l'espère, votre intérêt à vouloir essayer la méthode qui, je vous le dis, est simple, efficace et très facile à implanter. À la fin de la présentation, vous aurez le choix de visionner un entretien avec deux enseignantes de notre commission scolaire qui ont commencé à enseigner la lecture en utilisant la méthode café pour la première fois cette année. Alors, si le sujet vous intéresse, suivez-moi, il me fera plaisir de vous guider. Si au cours de la présentation, vous entendez des bruits de feuilles, je m'en excuse, je n'ai pas de deuxième écran. Ces feuilles contiennent les notes que je lis au fur et à mesure pour chaque diapo. Et on aurait juste à s'imaginer qu'il s'agit de la fée Clochette qui indiquait le changement de page dans les livres de Walt Disney pour ceux et celles qui ont connu cette époque. Alors, la méthode café. La méthode café, c'est une façon pratique et très simple d'enseigner et d'intégrer l'évaluation, le suivi de la lecture en salle de classe pour des élèves du primaire. Elle a été développée par les sœurs Gail Boucher et Joan Moser, les mêmes auteurs qui ont écrit Les 5 au quotidien. La méthode café n'entraîne pas de changement majeur aux approches déjà existantes en littératie, ni de frais additionnels, sauf celui de l'achat du livre qui est à un coût très modeste. Il est très facile à lire et contient des ressources imprimables qui sont disponibles sur le CD-ROM inclus dans le livre. Alors, l'acronyme CAFÉ est l'énoncé des quatre piliers de la méthode que les deux sœurs ont identifiés selon la recherche comme étant les habiletés les plus importantes à développer en lecture chez les élèves en apprentissage. Comme vous voyez à l'écran, C est pour compréhension, A pour adéquation, F pour fluidité et E pour étendue du vocabulaire. Lorsque la méthode café est présentée aux élèves, évidemment, on utilise et on propose dans le livre des appellations beaucoup plus accessibles pour eux. Donc, comme vous voyez sur ce tableau affiché dans une salle de classe, le C pour compréhension se traduit par je comprends ce que je lis. Le A pour adéquation se traduit par je peux lire les mots correctement. Le F pour fluidité se traduit par je peux lire correctement avec expression et je comprends ce que je lis. Et le E pour étendue du vocabulaire se traduit par je connais, je trouve et j'utilise des mots intéressants. Le tableau d'affichage café est en fait un menu, au même titre qu'un menu dans un restaurant où l'élève choisit un mets selon ses goûts et sa valeur nutritive. Or, le menu café est présenté aux élèves en utilisant cette analogie et restera affiché dans la salle de classe pendant toute l'année. Les stratégies y apparaîtront au fur et à mesure qu'elles seront enseignées et les élèves y apposeront leur nom lorsque qu'ils choisiront d'en pratiquer une ou plus en lecture autonome. Ce choix pourra avoir été discuté en conférence individuelle avec l'enseignant. Dans le livre La méthode café, on propose une série de stratégies à enseigner pour chacune des quatre habiletés à développer en lecture. Elles sont répertoriées dans le menu littératie de la méthode café. Vous choisirez celles qui correspondent le mieux aux besoins des élèves pour développer la compréhension, l'adéquation, la fluidité et l'étendue du vocabulaire. Donc, le tableau du menu café, qui est affiché de façon permanente dans la salle de classe, sera comme un GPS ou votre tableau d'ancrage. Il vous permettra d'enseigner les stratégies de lecture à tous les élèves. Ensuite, vous pourrez rencontrer chaque élève en conférence individuelle. Puis, vous pourrez aussi grouper vos élèves qui ont besoin de travailler la même stratégie. Alors, pour se préparer, tout d'abord, je vous conseille de lire le livre
qui est simple et facile à comprendre. Ensuite, imprimez les fiches du CD-ROM, puis trouvez-vous un cartable dans lequel vous prendrez vos notes et que les auteurs ont appelé la pancine. Votre cartable ou la pancine sera divisée en deux parties. La première servira à compiler vos notes personnelles que l'on retrouvera sur un calendrier mensuel, une fiche de suivi et une fiche de groupe stratégie. Votre calendrier mensuel est un modèle de votre choix pour y inscrire les rendez-vous avec vos élèves que vous prenez à chaque mois pour les conférences individuelles. La fiche du suivi en lecture vous servira à compiler toutes les conférences que vous avez eues avec vos élèves au cours de l'année. Et vous avez aussi une fiche pour noter les stratégies et les observations sur les élèves qui ont été groupés pour travailler la même stratégie de lecture. La deuxième section de ce cartable ou de la pancine contiendra toutes vos observations pour chacun de vos élèves. Vous aurez autant d'onglets que vous avez d'élèves et derrière chaque onglet, donc pour chaque élève, il y aura une copie de la fiche du menu café, une fiche de conférence de lecture et oui, une fiche de conférence d'écriture car on le sait, ces deux compétences se complètent. On donne d'ailleurs des exemples très précis à ce sujet dans le livre. Une fois votre cartable organisé et votre tableau du menu café affiché et présenté aux élèves en utilisant l'analogie du menu de restaurant, vous êtes prêt à commencer votre enseignement au groupe classe. Dès les premiers jours, les auteurs recommandent d'enseigner les cinq stratégies de lecture qui figurent à l'écran, car ce sont celles qui assurent un bon départ pour le développement des habiletés de base en lecture. Aussi, les auteurs recommandent de suivre cette séquence d'enseignement au groupe classe pour encourager l'implication des élèves et pour leur permettre de se pratiquer en dyade, puis en lecture autonome. Une fois les cinq stratégies de base enseignées au grand groupe, vous pouvez choisir celles qui répondent le mieux aux besoins de vos élèves. Votre tableau du menu café commencera à prendre vie et vos élèves y apposeront leur nom près de la stratégie qu'ils pratiquent. Maintenant, vous pouvez commencer à rencontrer vos élèves individuellement pour faire le point sur les stratégies que vous avez enseignées et qu'ils sont à même de pratiquer. Vous avez à l'écran les principes favorables à une conférence individuelle réussie qui, si vous les appliquez, vous sauveront du temps et aideront à évaluer et mieux cibler vos interventions. Voici un modèle d'une fiche de conférence à lecture dont la copie vierge est disponible sur le CD-ROM. Suivi d'un autre avec icône cette fois-ci, qui est également disponible sur le CD-ROM. Personnellement, j'aime celui-ci car l'élève peut plus facilement comprendre le contenu de la conférence et s'approprier l'apprentissage. Le dernier volet de l'enseignement de la lecture avec la méthode café est celui où vous commencez à regrouper vos élèves qui ont des besoins similaires selon une stratégie qui a été enseignée et pour laquelle un même nombre d'élèves éprouvent des difficultés. On fournit également la fiche de prise de notes sur le CD-ROM du livre.
Alors, c'est ici que je vous réfère à quelques incontournables pour vous assurer d'une expérience réussie avec la méthode café. Alors, évidemment, je vous recommande de lire le livre qui est publié par la maison d'édition Groupe Modulo. Puis, vous pourriez aussi aller visiter le site des deux sœurs du Daily Café qu'on voit à l'écran, thedailycafé.com, et aussi de vous abonner à la communauté Facebook des 5 au quotidien. Et pour terminer, je vous invite à visionner un entretien avec deux enseignantes de l'école primaire West Park qui ont accepté de nous partager leur vécu avec l'utilisation de la méthode café. Je les remercie sincèrement de leur collaboration à cette capsule vidéo et je vous souhaite un bon départ dans vos démarches d'implantation avec la méthode café. Merci beaucoup et au plaisir. Bonjour Chelsea, bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour, bienvenue à cette session de partage autour d'un bon café. Santé. Santé. Santé, santé. Et c'est la session qui traitera de votre expérience avec l'utilisation de la méthode café pour l'enseignement de la lecture et l'évaluation aussi de la lecture. Alors, tout d'abord, prenons le temps de faire votre connaissance. Oui, donc je m'appelle Chelsea, puis j'enseigne deuxième année à West Park. Et c'est une école immersion, français immersion. C'est ma troisième année d'enseignement. Et moi, c'est Ingrid Descostes. J'enseigne aussi à West Park, mais je suis en troisième année. Et ceci sera ma cinquième année d'enseignement. Alors, dans vos mots, pouvez-vous nous décrire ce qu'est la méthode café? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, la méthode de café, c'était écrit par les deux sœurs, Gail Bush et Joan Moser, qui ont écrit aussi les 5 au quotidien. Et c'est une méthode pour l'enseignement et l'évaluation de lecture. Donc, café, c'est un acronyme. Donc, le C, c'est pour compréhension. Oui. Le A, c'est pour adéquation. F, fluidité. Et E, étendue de vocabulaire. Puis, ça s'appelle café pour que les élèves sachent qu'ils peuvent choisir des différentes stratégies de lecture comme un menu dans un restaurant. Les stratégies de lecture vont toujours tomber en dessous de un sujet, que ce soit la compréhension, l'adéquation, la fluidité ou l'étendue du Oui. vocabulaire. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la compréhension? Ça, C'est-à-dire, je comprends ce que je lis. Fait que vérifier D'accord, la compréhension serait une stratégie à utiliser. Raconter l'histoire en serait un autre. L'adéquation, ça veut dire... je comprends les mots que je lis, donc je lis les mots correctement. D'accord. Alors, un exemple de stratégie, ce serait... ce serait de recouper les mots Oui. et les relire. Une autre stratégie dont on a travaillé, c'était se servir Le des son, images et les sons aussi, mais se oui. servir Oui. des images fait partie de D'accord. associer les mots avec les images. D'accord. Oui. Et fluidité? Donc, fluidité, c'est je peux lire correctement et Avec avec expression, expression, hein? ouais. Et je comprends ce que je lis. Oui. C'est ça le but toujours. Une des stratégies qu'on a travaillées, c'était tenir compte de la ponctuation. Alors, Oui. lorsqu'il y a un point, on prend une petite pause, une virgule, OK, une pause. oui. Et aussi, une autre stratégie dans fluidité serait Lire des livres Lire. assez Oui, pointures. Oui. ouais, lire des Oui, livres bien à sûr. la pointure. Puis la dernière, Donc, le « et » étendue de pour étendu, vocabulaire, oui. c'est de prêter, une stratégie, c'est de prêter attention aux mots intéressants. Donc, c'est pour comme améliorer son vocabulaire puis comprendre ce Ce que que tu tu lis. D'accord. Trouver les mots dans les grands mots serait une stratégie enseignée. Ah, d'accord. Est-ce que le livre des deux sœurs qui explique la méthode café, est-ce que vous avez trouvé ça utile? Est-ce que c'était facile à consulter? Je le trouvais vraiment facile à consulter, puis c'était très bien expliqué, toutes les étapes, quoi faire avec les élèves, quoi dire aux enfants Oui. quand tu expliques. Ça te donne des exemples, des photos. Aussi en ligne, ils ont un site web qui te montre des vidéos de les sœurs elles-mêmes en train de faire des leçons avec leurs élèves. On utilise pour le menu café, on utilise comme une cartable qu'on fait. C'est un gros cartable. Puis ce qui est super, c'est que tous les documents se trouvent dans le livre de Ah café. oui. C'est organisé avec comme un petit
petite section par élève. Donc, il y a le menu café qui est là-dedans. Après, il y a une feuille. Le menu café comprend les stratégies pour chacune des quatre. Et ça comprend toutes les stratégies qui sont incluses dans le livre. D'accord. Avec eux, on peut leur dire, alors, combien de temps penses-tu avoir besoin pour travailler ces stratégies? Quand aimerais-tu qu'on se rencontre? Et c'est pour ça qu'au début du cartable, on a aussi un calendrier, où on note les rendez-vous. Est-ce que c'était la première fois, que vous l'utilisiez, que vous l'utilisez maintenant dans votre salle de classe? Oui. C'est la première fois. Oui. Et puis, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué à instaurer? Non, au début, j'avais eu peur que ça serait trop difficile pour les enfants de deuxième année. Mm. Et j'ai commencé à leur introduire le menu café. Ils ont adoré ça. Puis après une semaine de l'avoir fait, les élèves commençaient eux-mêmes, quand ils faisaient la lecture, à utiliser les stratégies que je leur ai montrées. Alors, par exemple, si on commence avec la compréhension, on va leur donner une stratégie de compréhension. Alors au début de l'année, par exemple, lorsqu'on donnait une leçon de lecture, on présentait la stratégie, bien important de la modéliser tout après. Puis ensuite, c'est ça, on fait qu'on la laisse à la classe, on pratique ensemble en classe. Puis, après avoir lu avec les élèves, là, tu pouvais choisir une stratégie pour ces élèves-là à utiliser pour eux-mêmes. Ouais. Si un élève, c'est vraiment la compréhension qu'ils doivent travailler, sur le menu café, ils vont toujours revoir les mêmes stratégies qu'on a déjà expliquées. Fait que c'est bien pour ça que c'est pas rien de nouveau. Est-ce que c'était un ajout? Est-ce que vous avez été obligé d'abandonner d'autres sujets, d'autres matières à enseigner? Non, c'est ça que j'ai trouvé magnifique, justement, avec la méthode café, c'est que c'était vraiment un point bonus, dans le fond, à la lecture. Fait que c'était pas, ça n'a rien enlevé de temps ailleurs, ça fait juste en rajouter. Alors, pour moi, lorsque je m'en sers, ça serait pendant les 5 au quotidien, je prendrais un élève à la fois, fait que par exemple, lorsqu'ils font la lecture à soi, je pourrais prendre un élève pendant ce temps-là, puis lire simplement avec eux. Si je regarde derrière, oui. Vous avez juste derrière toi, Chelsea, oui, c'est la stratégie, c'est le menu café, avec entre autres, pour la compréhension des stratégies qui sont déjà écrites. Oui, c'est ça. Donc, tu les as enseignées en groupe, en grand groupe. Oui. Donc, j'ai enseigné les stratégies, puis au début, c'était moi qui a écrit les stratégies pour les élèves. D'accord. Après que je l'ai enseigné. Après ça, c'est les élèves eux-mêmes qui vont écrire la stratégie. Moi, je l'écris sur un post-it, ils vont le copier. Puis ça va être eux qui sont en charge de la stratégie. Donc, si quelqu'un oublie, c'est quoi ça veut dire raconter une histoire, il pourrait retourner à cet élève qui l'a écrit pour demander qu'est-ce que ça veut dire, cette stratégie. Ah, je comprends. Alors, chaque élève a écrit son propre stratégie. D'accord. Ce qui est bon avec le menu café, c'est supposé d'être pour que les élèves puissent toucher. Donc, chaque fois qu'on enseigne une stratégie, on touche la stratégie puis on explique. Ouais. Puis les élèves, dès qu'on est assis avec eux, comme Ingrid a expliqué, c'est les élèves eux-mêmes qui vont écrire sur un post-it leur nom et le coller sur le post-it directement pour dire quelle stratégie ils sont en train de travailler. Oui, avec les plus vieux aussi, c'est... Oui, ben je suis en troisième année, fait que c'est pas beaucoup plus vieux, mais ils ont embarqué puis ils adorent vraiment ça. Puis ce qui est vraiment... Ce que moi j'ai trouvé fantastique encore avec la méthode café, c'était permettre à chaque élève d'avoir du temps un à un avec nous. Puis, pour eux aussi, sont vraiment excités de nous montrer. Regarde, j'ai vraiment travaillé, raconté l'histoire, j'ai hâte de te montrer mon livre, puis partager avec toi. Parce que c'est vraiment. C'est pas tout le temps qu'on peut avoir du temps. Non, c'est ça. Par rapport à l'apprentissage de la lecture, qu'est-ce que ça vous donne de plus d'utiliser cette approche-là avec les élèves? Moi, ce que j'ai remarqué, c'était surtout. Ils prennent la responsabilité de leur apprentissage. C'est à eux de déterminer, voici ce que je peux faire, voici sur quoi je dois travailler. Mm-hmm. Alors pour ça, c'est vraiment fantastique de voir cette autonomie et cette maturité aussi, tu sais, de dire, OK, c'est pas juste au professeur de toujours me répéter la même chose, je peux le faire moi-même en me servant, en regardant le menu café et tout ça. Mes élèves qui sont vraiment faibles, ont beaucoup amélioré parce qu'ils utilisent des stratégies spécifiques pour eux. Voilà. Puis ça leur aide beaucoup. Oui. Parce qu'au début, ils ne savent pas où commencer, quoi faire. Oh, je ne peux pas lire, je ne suis pas capable. C'est ça qu'ils disent au début. Ouais. Puis après qu'on fait le menu café, ils sont capables, ils pratiquent leur stratégie. Mm-hmm. Ouais.
C'est super. C'est bien. Est-ce que vous recommanderiez cette approche-là à vos collègues enseignants? Oui, absolument. Pourquoi? Ben, encore une fois, c'est parce qu'on voit, on a vu beaucoup de progrès juste en nos deux classes, ben nos trois classes, moi j'ai deux classes. Ouais. Le progrès qu'on remarque encore une fois, puis ce serait vraiment fantastique de continuer à travailler les mêmes stratégies année après année. Tout à fait, c'est le texte qui change, les stratégies sont les mêmes. Exactement. Ouais. Fait que de continuer à travailler avec les mêmes stratégies, ça pourrait être bénéfique pour eux, surtout aux plus vieux. Ouais, donc, comme mon élève vont être en troisième année, ils vont avoir la chance de continuer le menu café, ils vont savoir déjà qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est terminé. Non, mais merci. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou des conseils à donner à vos collègues qui voudraient commencer cette... Le seul conseil que je pourrais dire, c'est d'avoir un cartable préparé. Oui. Avec une feuille de suivi pour chaque élève. Comme les conférences individuelles. Et voilà. Sont disponibles dans le livre. Dans le menu de café. Alors, ces feuilles-là sont vraies. C'est pratique, c'est sûr. Alors, tu notes les stratégies à travailler. Oui. Et aussi les dates où vous allez revoir les élèves. Voilà. Alors, juste avoir un suivi comme ça. Puis, dans le fond, c'est vraiment le seul matériel dont on a besoin. Mm-hmm, et des post-it amusants. C'est ça. Et c'est ce qui vous permet de garder des traces, toujours. Et voilà. C'est ça. Et les élèves aussi. Mais c'est d'accord. Vrai? Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.